Oh, Steven. Ciao, Dan. Un scotch? Volontiers. Dis-moi, tu es bien matinal? Mais il est 19h. Ah, c'est vrai. J'oubliais. J'ai mal dormi. En plus, j'ai mal au cou. Stop! Pas de vulgarité dans ma demeure. Non, j'ai vraiment mal au cou. Pardon, Steven. J'ai mal pensé. J'ai passé la nuit avec Rachel. Rachel? Rachel Bright? Oui, pourquoi? Tu la connais? Ah, j'ai vécu une heure avec elle, c'était l'année dernière. Excuse-moi, je ne savais pas. Ça ne pouvait pas marcher entre nous. Dès les 10 premières minutes, j'ai senti que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Le train-train nous a usés, et après 50 minutes passées avec elle, je savais que c'était fini. T'as-t-elle parlé de moi? Non. Elle doit souffrir, elle est si jeune, si innocente. Tu la connais depuis longtemps? Non. Je l'ai ramassée bourrée dans un bar hier soir. Elle dansait nue avec des lesbiennes. Ah. Et tes affaires, ça va mieux? J'arrête le papier toilette. Je me lance dans la production de film. Je vais faire le prochain Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger? Non, Billy, son quart de frère. Je produis avec lui Bécanic. Bécanic? Oui, c'est le remake de Titanic avec une mobilette. Jordan, as-tu déjà réfléchi à ce que tu feras dans 30 ans? Dans 30 ans? Non, aucune idée. Et toi? Moi, je me disais que j'aimerais bien avoir une ferme et élever des lapins. Pardon? Non, je me disais que j'aimerais bien boire du sperme et enlever un sapin. Ah, tu m'as fait peur. En tout cas, moi, je sais ce que je vais faire demain. Quoi? Je vais aller revoir Top Gun, je n'ai toujours pas compris la fin. C'est vrai que ce n'est pas simple. À demain, Jordan. Steven? Oui? C'est moi qui ai uriné dans ton cartable au collège. Je le savais. Ce n'était pas mon cartable, c'était celui de Laurent Broumède.